Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, achat que j'ai fait sur Amazon, voilà. Alors vous allez voir cette vidéo, il y aura une deuxième partie. Je l'avais filmée avant et comme c'est un achat aussi de chez Amazon, du coup je vais intégrer les deux vidéos dans la même vidéo. Donc si vous trouvez bizarre ou si je suis pas habillée pareil, je ne sais plus comment j'étais habillée, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Alors, aujourd'hui, je vous présente. Alors, j'ai vu un coffret DMC avec des ciseaux. Voilà, j'aime bien. Bon, déjà parce que c'était du DMC, donc ça m'a plu. Et c'est bien la boutique DMC elle-même qui est aussi sur Amazon. Hein. C'est pas une boutique à côté. C'est bien DMC qui est aussi sur Amazon. Donc voilà le coffret que j'ai pris. Oui, il y a beaucoup de ciseaux. Alors c'est surtout pour la broderie. Alors il y a dedans un ciseau. Cigogne, pas facile à dire. Un ciseau, donc un coupe-fil, un ciseau à broder, un ciseau à coudre et un ciseau de couturière. Voilà, je vous montre tout ça en détail. Donc déjà, c'est un joli coffret. Bon, une fois qu'il est ouvert, c'est fini, hein, mais je veux dire, c'est bien emballé. J'essaie de pas me couper avec le cutter. Alors, le ciseau cigogne, si j'arrive à l'enlever. Ah, voilà. Le voici. Donc, le petit mini ciseau pour la broderie. Hein. Tout joli, en forme de cigogne. Comme son nom l'indique. Ensuite, on a le coupe-fil et son petit capuchon. Voilà. Et on a son petit capuchon. Donc, hop, vous n'avez plus qu'à le ranger comme ça. Le ciseau de broderie. Hop, comme ceci. Donc, pareil. Hein. Celui-là, il s'appelle ça le ciseau. Un ciseau pour la couture, donc voilà. Bon, je vais pas essayer. Enfin, normalement, oui, ça va, il coupe bien, mais bon, je vais pas couper du papier pour les abîmer. Donc voilà, le ciseau de couture. Et là, hop. Oh. Voilà, le ciseau de couturière. Voilà, je ne vous ai pas donné les longueurs de lame, ce serait bien que je vous donne ça. Non, sur celle-là, je ne vois plus rien. Voilà. J'ai plein de règles là, mais elles sont vieilles. Donc ça s'efface. Alors, le ciseau de couturière, la lame fait 8,5. Voilà. Et le ciseau en lui-même, il fait un petit 21 cm en tout. Le ciseau de couture, il a une lame de un peu plus de 5 cm et il fait 13,5 à peu près pour celui-là. Le tout petit de broderie, 4 cm environ les lames. Et il fait à peu près 10 cm. Voilà. Et après, vous avez le cigogne.
Voilà, c'est une toute petite lame. 2 cm de lame. Et sur un point ciseau de 9 cm. Voilà. Donc, je remontre. Hop. Les 3 ciseaux comme ceci. Vous voyez la longueur, la différence. Broderie, couture. Et là aussi, c'est couture. Bon, ça va être plus pour couper du tissu. Quand vous avez besoin, peut-être couper vos toiles de broderie, pourquoi pas. Le cigogne et le coupe-fil. Voilà. Alors, ce lot, ben, je ne l'ai pas trouvé cher pour du DMC. 19,90 €. Voilà. Ça va me permettre de changer. J'ai des ciseaux, moi, dans ma boîte à couture ou ma boîte à broderie. Et mais pff, ils sont tellement vieux que maintenant, c'est compliqué pour couper. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien de cet article que vous pourrez trouver chez Amazon. Alors j'ai hésité, je voulais m'acheter une autre chose chez Amazon. Chez Amazon, mais sur la boutique DMC. Mais bon, je vais attendre parce que c'était... Puis je vais réfléchir. Parce que j'aurais peur de m'en servir. C'est une échevette de fil à broder en or. Pas couleur or. Non. Elle est en or. C'est de l'or 24 carats. Je vous mettrai la photo là juste après. C'est une échevette qui est numérotée. Et c'est une vraie DMC également, hein, puisque j'en avais parlé avec une de mes abonnées sur Insta, je crois. Et elle avait peur que ce soit pas du vrai, mais si, si, c'est du vrai. Mais cette échevette fait 20 €. Donc, bon, pour l'instant, je ne vais pas dépenser 20 € pour une échevette de fil à broder. Mais bon, bientôt, c'est mon anniversaire, on ne sait jamais. Mais bon, Chouchou a le même porte-monnaie que moi, hein, donc voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour, je me l'offrirai, je verrai bien. Donc, voilà. Ben, je vous mets le lien également de cette échevette. On ne sait jamais si vous avez envie de vous l'offrir. Je vous mets le lien également. Dans mon colis, en plus de la facture, j'avais une petite carte. Bon, là, vous le voyez à l'envers. Une petite carte DMC qui dit merci. Voilà. Bon, c'est une carte imprimée. Hein. C'est pas écrit à la main, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit coffret de ciseaux bah, vous intéresse, vous plaît. Vous l'avez peut-être déjà, pourquoi pas. Dites-moi tout. Là, je vais vous laisser regarder donc la deuxième vidéo que j'inclus dans celle-ci. Puisque comme ça vous fait qu'une seule vidéo. Et moi, ça me fait moins de montage avec tout mon retard que j'ai. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la suite. Je voulais juste partager avec vous une petite trouvaille que j'ai faite sur Amazon et qui va certainement intéresser les personnes qui n'ont pas d'action près de chez eux ou alors très loin. Vous savez que chez Action, on trouve des pochettes plastiques avec une pression et beaucoup de brodeuses, dont moi, on s'en sert pour ranger bah, notre patron de broderie avec les fils, voilà. Donc moi j'en ai déjà, bon, j'en ai plusieurs en cours. Et donc il y en a pas, Action, et voilà. Et donc j'ai trouvé sur Amazon la même chose, sauf que là elles sont entièrement transparentes. Puisque celles de chez Action, elles sont décorées d'un côté, transparent d'un côté et décorées de l'autre. Elles sont Action, elles sont au prix de 44 centimes pièce. Et sur Amazon, alors on est pour ainsi dire dans le même prix, hein, on est à presque 48 centimes pièce, mais c'est vendu en lot. C'est un lot de 25 pochettes, voilà.
Et donc, je les ai reçus aujourd'hui. Les voilà. Je vous montre en détail. Donc, voilà la pochette. Donc, c'est exactement la même, les mêmes dimensions, la même forme que celle de chez Action, sauf qu'elles sont entièrement transparentes. Voilà, donc il y a une petite pression. Hop, voilà. Et il suffit bah, du coup de mettre notre patron, notre toile, nos fils pour faire une pochette d'encours. Voilà, donc c'est pour ainsi dire le même prix. À 2-3 centimes près. Et là, par contre, vous les avez en lot. Voilà, donc il y en a 25 en tout. Donc là, je suis tranquille pour un moment. Hein. Je peux même m'en servir pour mon tricot, pourquoi pas. Pour mettre le patron du tricot, voilà. Donc voilà, je voulais vous les montrer ben, pour ceux qui n'ont pas d'action et puis qui cherchent justement des pochettes pour ranger leur broderie. Les voilà. En tout, donc pour 25, vous payez 11,99 €. Je n'ai pas payé de frais de port. Voilà. Je me dis, ça fait à peine 48 centimes la pochette. Et c'est un format A4. Donc, un tout petit peu plus grand que le A4. Pour que, comme ça, ça ne gêne pas quand vous rangez dedans. Attendez, j'ai une action, là. Alors, voilà. Bon. Là, celle-là, elle me sert pour mes documents médicaux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà celle d'action. Vous voyez, hop. Là, je montre vite parce qu'il y a assez des lettres pour les docteurs. Donc, chez Action, c'est ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est exactement la même. Sauf que là, elle est entièrement transparente. Et niveau grandeur... Hop. Ah, un tout petit peu plus petite. Oui, mais j'ai regardé, mes papiers rentrent dedans. Donc, voilà. Je vais regarder si je peux faire rentrer une feuille. Alors, je vais prendre n'importe laquelle. Allez, rentre dedans. Voilà. Et ça rentre. Et il y a encore de la place pour rentrer. Donc, voilà. C'est pareil, je vous dis, mais à part que bon, bah, du coup, il y a tout petit peu moins d'un centimètre de différence. Oui, parce que là, alors, regarde, vous voyez, voilà ce qui reste. Et donc, pour l'autre, il reste la moitié. Hop, je vous remets. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une très grande différence. Hein. Vous voyez, à peine un centimètre. Donc voilà, alors Action, 44 centimes, si vous avez un Action près de chez vous. Bon, bien sûr, elles sont plus jolies, j'arrive à la fermer, oui, elles sont plus jolies parce qu'elles sont décorées, mais je trouve que c'est exactement pareil. Non, du coup, on voit bien tout ce qu'il y a dedans. Là, on le voit que d'un côté. C'est un choix, on fait comme on veut. Et aussi, bah, savoir bah, si vous pouvez en trouver par chez vous ou pas. Voilà, je vous mets le lien pour les retrouver sur le site Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que c'est un très bon compromis. Et elles ont l'air bien solides. Voilà. Donc voilà, ma petite vidéo, vous voyez, n'aura pas duré longtemps, mais je voulais absolument vous présenter cet article que je m'étais commandé. Et je l'ai commandé avant-hier, je l'ai reçu aujourd'hui, donc ça a mis 2 jours. Bon, des fois, Amazon, on l'a le lendemain, mais là, bon, ça a mis une journée de plus, mais voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.